but de ce projet est de mener les élèves par une réflexion philosophique à prendre conscience du développement durable. Ces ateliers philosophiques ont été menés dans le Jura suisse, dans deux classes d'introduction, avec des élèves âgés entre 6 et 8 ans, ayant des difficultés diverses. Nous, les enseignantes de ces deux classes, travaillons pour plusieurs leçons en co-enseignement ou en groupe d'âge mélangé. Dans ce projet, les deux classes sont séparées en trois groupes hétérogènes. Je m'occupe d'un des groupes en alternance avec mes collègues. J'ai décidé de prendre ce temps pour faire ces ateliers philosophiques, mes collègues le prenant pour d'autres leçons comme les mathématiques ou le français. Il faut au moins sept étapes pour mener à bien ce projet, qui s'étend sur une durée de 6 semaines à raison de trois leçons par semaine. Pour démarrer ce projet de discussion philosophique en éducation durable, une première pour moi. Je décide d'utiliser le matériel fourni gracieusement par Samuel Heinzen et de me l'approprier. Lors de la première séquence, je distribue à chaque élève un personnage de papier fort qu'il peut décorer à sa manière. Ce sera son porte-parole pour ces moments de discussion. Le matériel offre aussi un sympathique tapis représentant un village composé de charmantes maisonnettes. Tout va se passer sur la place du village. À chaque séquence, le puits aux questions plonge les élèves dans une nouvelle réflexion. L'arbre de la certitude permet à l'enfant d'affirmer une idée. Le jardin des doutes, quant à lui, place l'enfant dans une situation de questionnement. Il ne sait pas encore si son idée est vraiment déterminée. Lors du début de séance, chaque enfant vient se réunir sur le tapis en amenant son personnage autour du puits. Avant de commencer la séquence, je rappelle les règles de respect et d'écoute mutuelle. Ensuite, chaque élève, lorsqu'il prend la parole, doit positionner son personnage, soit en le plaçant sous l'arbre de la certitude, je suis sûre de ce que je pense, voilà pourquoi, ou alors dans le jardin des doutes, je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais cela me questionne. L'élève a aussi la possibilité de ne pas bouger son personnage, mais il doit aussi nous dire alors pourquoi. Chaque idée est reçue avec bienveillance. Il n'y a pas de mauvaise idée, mais simplement des idées différentes qui méritent d'interroger et de questionner ses propres représentations sur le sujet. Je vais maintenant vous exposer un exemple pratique. La question philosophique du jour choisie par mes soins était: est-ce que tous les animaux sont utiles? Tout de suite, les élèves parlent de l'utilité des animaux pour se nourrir. Pour eux, les animaux ne sont donc utiles que pour manger leur viande. Je demande alors si pour ceux qui sont végétariens, les animaux sont quand même d'une certaine utilité. Sur cette question, les enfants pensent que non et déplacent leur personnage. Ethel me parle alors du lait et du fromage et la discussion se poursuit, mais tourne toujours autour de la nourriture. Thomas me dit aussi que s'il n'y avait pas d'animaux, on serait mort. Mais il ne peut expliquer pourquoi. J'essaye de me défaire du rôle de la nourriture en leur demandant si les moustiques sont utiles pour eux. Alors voilà que tous s'exclament que, évidemment, non, les moustiques ne sont pas utiles. Ils déplacent leur personnage. Pourtant, Thomas pense qu'ils doivent avoir une utilité, comme les abeilles, car c'est sa maman qui lui a dit. Mais il ne sait pas laquelle. Adam dit que le moustique empêche que l'on ait trop de sang dans le corps. Et ceux qui ne se sont pas fait piquer alors? Je demande, ont-ils trop de sang? Je propose alors que l'on cherche ailleurs des informations sur le sujet. Je clôt le débat en leur disant qu'il faut absolument que l'on s'informe sur les moustiques, notre corps et l'utilité des animaux. Librati et Passerieux dans Les chemins des savoirs en maternelle expliquent très bien le désarroi dans lequel l'enseignant peut se trouver en menant un débat avec de jeunes enfants de surcroît en difficulté. Elle mentionne: cette activité foisonnante de débat est parfois très déstabilisante pour l'enseignant. Ces informations paraissent aussi disparates qu'approximatives, voire imaginaires. Et pourtant, c'est dans leur mise en relation, c'est dans cette association un peu sauvage d'idées que se révèle une pensée qui se cherche. Les détours, les anecdotes révèlent un cheminement mental, chaotique parfois, mais peut-être pas autant qu'il n'y paraît. Et c'est là que le rôle de l'enseignant devient délicat, je trouve. Poursuivre le débat en relançant les élèves sans trop les influencer, mais tout en les questionnant et en les bouleversant dans leur raisonnement. De plus, il est parfois difficile de maintenir l'attention de jeunes élèves avec des difficultés, soit de comportement, d'hyperactivité ou même de langage. C'est pourquoi je décide de varier les séquences de réflexion en apportant du matériel divers pour relancer le débat.
Je vais utiliser la bibliothèque municipale, c'est-à-dire que comme nous nous rendons chaque mois avec les élèves à la bibliothèque, nous avons le loisir de chercher des livres sur le thème traité. Soit je prends quelques livres de référence dans lesquels nous pouvons chercher des informations, soit ce sont les élèves qui ont la mission de le faire. Dans le cas de la question de l'utilité des animaux, j'amène d'abord en classe des livres sur les insectes, les animaux en général et le corps humain que je choisis. Ensuite, lors de la session suivante, autour de ce même thème, je laisse les élèves s'intéresser aux livres autour du tapis de philosophie et je prête ma lecture aux intérêts qu'ils portent sur les images des documentaires qu'ils consultent. C'est ainsi que nous apprenons que les grenouilles mangent des insectes, dont les moustiques. Chelsea découvre la chaîne alimentaire et se demande si on élimine un animal, si les autres ne sont pas touchés. J'ai aussi amené un livre sur les animaux disparus. Certains élèves se demandent alors comment on a fait pour survivre. Le monde s'est-il adapté? D'autres élèves trouvent que c'est bien dommage de ne pas rencontrer tel ou tel animal, qu'ils étaient bien jolis. Mais Lucas, quant à lui, pense quand même que c'était bien que les dinosaures aient disparu, sinon ils auraient pu tous nous manger ou peut-être même nous écraser. Isaac, en regardant un livre sur le chat, me dit tout à coup que les animaux sont aussi importants, simplement pour être caressés. Du coup, Iris dit que certains animaux nous font juste du bien. Cameron rajoute que c'est beau dans la nature, un animal en liberté. Les enfants autour des livres sont plus actifs et aussi moins dissipés, je trouve. Les grands aident les plus jeunes à lire. Il y a de nombreuses discussions à deux ou trois que je ne peux malheureusement pas totalement enregistrer. Je poursuis la réflexion en amenant de vieux magazines du National Geographic, comprenant passablement d'images d'animaux, et demandant aux élèves de les classer soit sur une des deux affiches, soit sur l'affiche « Cet animal est utile » ou alors « Cet animal n'est pas utile ». Chaque collage nécessite une prise de position de l'élève. Ce qui m'a semblé très intéressant dans cette démarche, c'est que sur les 23 élèves questionnés, tous ont trouvé que l'animal qu'ils ont découpé a une quelconque utilité selon eux. La deuxième affiche a donc tout naturellement accueilli des animaux également utiles. Dans cette phase de travail, les argumentations se sont étendues sur l'utilité des animaux. Voici donc maintenant quelques argumentations concernant l'utilité justement de ces animaux. Les dromadaires aident les hommes dans le désert, remarque Sabrier. On offre du poisson pour nourrir les pauvres au Kosovo, se souvient Gelson en parlant de son pays d'origine. Le chat est utile car il est mon ami, dit Isaac. Et si les lions n'existaient pas, maîtresse, peut-être qu'il y en aurait trop de gazelles, s'exclame Maëlle. Et les requins, moi je trouve qu'ils sont très intéressants à observer, dit Ethan. Moi j'aime aussi les dauphins car on peut les toucher, mais parfois il est pris dans les filets et il meurt. Et que c'est triste, me dit Magali. Les araignées sont utiles, elles mangent des insectes, remarque Loïc. La sixième étape a été de réaliser une affiche sur un animal choisi pour pouvoir le présenter aux camarades des deux classes. Pour aider à la réalisation de ces affiches, les élèves prennent un animal pour deux. La première étape de cette phase du projet est d'aller chercher de nouvelles informations à la bibliothèque. De retour de cette même bibliothèque, chaque élève essaye de s'informer sur les différentes rubriques de l'affiche. Les enfants discutent ensemble, les plus grands de nouveau, s'essayent à la lecture et à l'écriture et aident les plus jeunes. Cependant, comme ces élèves ont passablement de difficultés, je dois les aider tant pour lire que pour écrire. Nous utilisons également le support d'Internet pour les rubriques auxquelles les livres ne répondent pas. Il y a passablement de discussions autour de la rubrique ayant pour titre « Cet animal est-il menacé ?». Les enfants sont surpris de voir que l'homme est presque toujours responsable de la disparition des animaux, comme pour les éléphants et les haras verts avec le braconnage, les requins et la pêche cruelle, le grand gorille et la déforestation, même les serpents comme le cobra d'Asie centrale est menacé en raison de l'introduction d'animaux non indigènes comme le chat, le chien et la mangouste. Une réelle prise de conscience que l'homme est souvent le plus dangereux prédateur de l'équilibre précaire de notre planète frappe beaucoup les enfants. Ils ont tout à coup une autre vision du zoo, de la liberté du règne animal. Plusieurs se demandent si c'est normal de pouvoir garder pour soi des animaux en cage pour notre propre plaisir. Nous parlons aussi de la domestication au travers du chat et d'autres espèces.
Les enfants, souvent en admiration devant l'animal qu'ils ont choisi ou le croyant invincible de par sa force, comme l'éléphant, le cobra, le gorille ou le requin, sont stupéfaits qu'il puisse être menacé. Lorsque la phase d'ébauche sur l'affiche est terminée, les enfants par deux se mettent à l'ordinateur, l'un dictant les lettres à l'autre et le deuxième qui les tape. La phase de présentation des affiches peut alors commencer après une répétition en aparté pour se préparer à parler en public. La phase finale de cette démarche est de retourner autour du tapis de philosophie et de se repositionner pour que l'élève puisse évoluer encore, affiner ses représentations et continuer de construire son savoir et sa réflexion bouillonnante sur le monde. En déplaçant la question et en demandant aux élèves, faut-il protéger les animaux et si oui, comment? Malheureusement, à l'heure actuelle du projet, cette phase n'a pas encore été réalisée par manque de temps. Mais je suis certaine qu'elle sera très riche. Si j'avais encore une seule chose à vous dire sur ces ateliers philosophiques, ce serait laissez-vous surprendre, essayez, accompagnez vos élèves sur ce terrain magnifique. Laissez-les construire leur représentation au travers des débats philosophiques. Et si, comme moi, vous avez affaire à une population différente, en marge, ayant besoin d'autres moyens que la parole seule, n'ayez pas peur d'essayer autrement, d'utiliser cet outil tellement riche de l'interdisciplinarité et de décloisonner vos leçons.